Bonjour, je m'appelle Christine, c'est ma première vidéo sur YouTube, donc ne m'en tenez pas rigueur, ça ne sera pas parfait. Je me présente, je suis quelqu'un de sensible, qui manque de confiance en moi, et je me suis mis 3-4 ans à la cartomancie avec des tarots, des oracles, des lenormands et le pendule. C'est vraiment un outil merveilleux quand on les utilise d'une manière pour nous faire du bien. Je suis régulièrement Célia Mellesville, qui est une artiste. Elle a vraiment un talent incroyable, tout ce qu'elle fait, c'est vraiment magnifique. Angel Tena, Chloé Bonfils, où je me retrouve beaucoup par rapport à sa sensibilité. Avec Laurence, et puis Claire Duval, et aussi Angie Lumière. C'est les principaux que je suis sur YouTube. Donc, pour ma première vidéo, je vais essayer de vous montrer un oracle que j'ai reçu récemment. C'est l'oracle de l'âme, rayonne de toute ta lumière. Je vous montre la boîte ici qui est magnifique et je vais vous lire ce qu'il y a écrit au dos du jeu. Connecte-toi à ton âme et illumine le monde. Enfant des étoiles, phénix, maître du temps, être solaire, tel un diamant, ton âme offre de multiples facettes, plus fascinantes les unes que les autres. Grâce à cet oracle, tu pourras explorer tes parts d'ombre et de lumière. Chaque carte a été canalisée pour que tu puisses recevoir les messages de ton âme et ainsi t'aligner avec tes aspirations profondes. Suis cette boussole intérieure pour t'incarner pleinement et rayonner de tout ton être. Ce coffret contient 46 cartes orales superbement illustrées, un sac satiné pour les protéger, un guide d'accompagnement de 216 pages, tout en couleurs, avec pour chaque carte un rituel, un mantra et des questionnements qui t'éclaireront sur ta mission de vie. Donc, on va regarder ce qu'il y a dans la boîte. Et nous avons un magnifique livre avec, qui est tout en couleur également. Donc nous avons l'oracle de l'âme qui est fait par Sacha Florczak, illustration de Véronique Lépinet. Nous avons la table des matières. Nous avons l'introduction. Comment cet oracle a vu le jour? Comment ça s'est passé? À quoi cet oracle sert? Comment utiliser l'oracle? Comment pratiquer ton oracle? Poser les questions à l'oracle? Prendre des notes de tes tirages dans un journal spirituel? Le livre d'interprétation? Donc les mots-clés, le message, les questionnements, le rituel, le mantra. Et là, il y a chaque détail, il y a l'explication, les cartes. Qu'est-ce que signifie quand une carte qui saute? Tirage à une carte, à trois cartes, à deux cartes. Et les messages des cartes. Donc nous avons la carte, ce que ça signifie, les questions qu'on peut se poser, le rituel à faire et le mantra d'intégration avec la position qu'on peut avoir en faisant ce tirage de cartes. Donc je vais vous montrer les cartes qu'elles sont dans un petit pochon. Et puis à la fin, on va tirer une carte et on va lire le message qu'il y a. Les cartes ne sont plus dans l'ordre parce que j'ai fait un tirage. Et on va montrer les cartes. Donc ici, on a l'intention bienveillante, l'intuition divine. Elles sont vraiment belles. Émotion. J'espère que vous les voyez bien. Aventurier de la conscience. Porte des étoiles. Magie de l'âme. Nuit
de l'âme, être solaire, guide de lumière, loi cosmique, énergie d'amour, pouvoir de la gratitude, grande vision, arbre maître, retrouvailles, fréquence arc-en-ciel, âme de lumière, maître de ton destin, alignement sacré, abondance, masculin sacré, féminin sacré, prendre soin de soi. Elles sont belles ces cartes. Maître du temps. Enfant des étoiles. Portail du cœur. Naissance de l'âme. Cœur sacré divin. Blessure de l'âme. Fragment d'âme. Et j'oubliais aussi de dire que je suis aussi Laura, intuitive, et Irène Rust, que j'oubliais aussi, que j'aime beaucoup. Ganesh. Discernement. Responsabilité. Unification de l'être. Énergie vitale. Énergie de création. Grotte de l'introspection. Elle est belle aussi celle-là. Renaissance du phénix. Harmonisation. Derrière le voile. Vérité personnelle. Transformation des arbres. Non, je me suis trompée, pardon. Transmutation des ombres. Rien à voir. Corps, temple sacré. Elles sont vraiment magnifiques. La source. Terre d'ascension. Et confiance en soi. Donc on va tirer une carte et on va aller regarder ce qui est écrit dans le livre pour vous donner une idée. J'ai oublié de vous montrer le dos. Les tranches dorées. Alors, quel est le message que l'oracle de l'âme a à nous dire en ce moment? Quel est le message? Et elle glisse magnifiquement bien. Donc,
On va prendre une carte et on va prendre celle-ci. C'est Être solaire et je vais vous lire ce qui est écrit dans le livre Puissance, encensement et contribution. Voilà, j'espère que vous la voyez bien. Faut que je m'améliore au niveau du filmage. Je suis désolée. Donc, je vais vous lire ce qui est écrit dans le livre. On te demande de rayonner tel un soleil. Comme le soleil, tu es pure lumière et rien ne peut entacher le soleil. Alors, on va recommencer. Je m'excuse. On te demande de rayonner tel un soleil. Comme le soleil, tu es pure lumière et rien ne peut entacher le soleil, ses rayons, sa chaleur. Rayonner est plus fort que tout, plus fort que briller, qui est une volonté née de l'ego et du besoin de reconnaissance. Dans le sens positif, le soleil est ta puissance de rayonnement. Le soleil, dans son message, t'invite à ne plus te cacher, à ne plus masquer ta propre lumière ou à rabaisser l'autre pour te donner l'impression de briller davantage. Briller n'est pas rayonner. Tu rayonnes depuis le cœur. Alors, au contraire, briller naît de l'ego. Alors, aujourd'hui, tu peux te montrer tel que tu es. Depuis ton cœur, tu peux rayonner toute ta lumière et être cette pure lumière, tel le soleil. Je t'amène à voir en toi ce qui te paraissait sombre, pour justement aller ramener de la lumière et du réconfort. Même les parties les plus sombres et les plus froides de ton être ont besoin de cette lumière pour trouver la sortie et se libérer. Lorsque tu as l'impression d'être enfermé, ne crois pas que le monde est en train de se perdre. Il n'en est rien. Cela est une illusion. C'est quand tu es aligné que ton être solaire rayonne et que la perfection du plan divin se réalise. Ton énergie solaire participe à faire le bien autour de toi. Tu contribues ainsi à quelque chose de plus grand, à un niveau collectif, au service du bien commun. Chaque action individuelle sert en réalité un but plus grand. Il t'a demandé de te légitimer et d'accepter de te montrer tel que tu es. Sors de l'ombre et montre-toi. Le soleil, dans ton tirage, indique qu'il y a une partie de toi qui doit être mise en lumière. Ce peut être une émotion à accueillir, un événement caché qui doit sortir à la lumière. Il peut être question de secret. Le soleil met en lumière tout ce qui est caché. Tu dégages quelque chose de solaire et tu ne dois pas avoir peur de cette lumière intérieure. Tu peux justement la laisser s'exprimer et te montrer tel que tu es. Incarne pleinement qui tu es, puisque tout prend sa place. Incarne pleinement qui tu es, puisque tout prend sa juste place. C'est le temps de l'ensemencement et du déploiement d'une nouvelle ère. Questionnement. Qu'est-ce qui m'empêche de rayonner encore aujourd'hui et que j'identifie comme extérieur à moi? Quelle est cette part de moi qui me sabote et qui m'empêche de rayonner? De quoi cette part de moi a-t-elle peur? Dans quel moment est-ce que je rayonne? Au contraire, dans quel moment est-ce que je cherche encore à briller? Note-les dans ton journal spirituel. Le rituel pour activer ton rayonnement et ta puissance solaire, je t'invite à pratiquer quotidiennement la salutation au soleil, Surya Namaskara. Et ici, je vais vous montrer, on a les positions à adopter. Et ici, il y a les significats quand il faut inspirer. Retiens ton souffle, expirez. À répéter 6 fois à gauche et 6 fois à droite. Et le mantra d'intégration, j'incarne la puissance de rayonnement du cœur, je suis un être solaire. Voilà l'exemple qu'on peut avoir avec la carte et ce qu'on peut faire ensuite pour pouvoir s'exprimer. J'espère que cette vidéo vous a parlé. J'espère que vous m'en voulez pas pour la qualité de la vidéo parce que c'est ma première et c'est pas facile. Vous pouvez me laisser un mot au commentaire qui va me permettre de pouvoir m'améliorer et je vous dis à tout bientôt et je vous fais plein de bisous. À bientôt, belle journée.